Aujourd'hui, nous allons parler de Fatima al-Fihriya, qui est une figure importante de Fès, du Maroc, du monde arabo-musulman et de l'humanité, parce qu'elle est la fondatrice de l'université. Elle est née en 800 et elle va fonder l'université d'Al-Qarawiyyin à Fès. Il sera inauguré en 859 ou en 245 de l'Hijra. Alors, cette femme, ce personnage, est en quelque sorte le fondateur de la notion et du concept d'université. Et ce qui est important, c'est qu'elle va le faire de ses propres moyens financiers, parce que son père était un riche commerçant, ainsi que son mari d'ailleurs, et qui vont lui laisser un héritage important, et qu'elle va donc être une mécène, elle et sa sœur, Myriam el-Fihriya. Alors comment tout cela va se dérouler? Mais revenons d'abord un peu à l'université Al-Qarawiyyin. Et nous reviendrons ensuite sur la vie de Fatima al-Fihriya. L'université Al-Qarawiyyin est la plus ancienne université du monde. Et ceci, ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est l'UNESCO, ou le livre Guinness des records, puisqu'elle date, comme je vous l'ai dit, de 859. L'université est accompagnée d'une bibliothèque qui fonctionnait selon le système classique. On prêtait même des livres aux étudiants, etc. Et cette bibliothèque de Qarawiyyin est parmi les plus anciennes bibliothèques dans le monde. Et elle comporte un très grand nombre de documents extrêmement importants, des manuscrits, des livres, des ouvrages, puisque l'université est accompagnée d'une bibliothèque qui fonctionnait selon le système classique. On prêtait même des livres aux étudiants, etc. Et cette bibliothèque de Qarawiyyin est parmi les plus anciennes bibliothèques dans le monde. Et elle comporte un très grand nombre de documents extrêmement importants, des manuscrits, des livres, des ouvrages, puisque elle est là depuis 859 jusqu'à aujourd'hui. Donc le fond de la bibliothèque est très important. Et je pense qu'une des choses que nous... Alors ça facilitait la vie aux étudiants, bien sûr, comme toutes les bibliothèques du monde, mais je pense qu'il serait intéressant que l'on numérise le fonds documentaire de la bibliothèque Al-Qarawiyyin, parce que certains documents doivent être conservés soigneusement, et puis on n'a pas besoin aujourd'hui de se déplacer jusqu'à la bibliothèque. On peut, si c'est numérisé, à travers Internet, regarder les différents documents qui se trouvent dans la bibliothèque Al-Qarawiyyin. Alors, à titre de comparaison, si on prend les plus anciennes universités du monde, qu'est-ce que nous trouvons? Eh bien, premièrement, l'université Al-Qarawiyyin de Fès, en 859, créée, fondée en 859. Puis ensuite, l'université Al-Azhar du Caire, Qahira, en 969. Puis ensuite, l'université Nizamiyya de Bagdad, en 1065. Vous voyez que les trois plus anciennes universités du monde sont arabo-musulmanes ou dans des pays arabo-musulmans. Vient ensuite l'université de Bologne en 1088, celle d'Oxford, bien connue en 1167, celle de la Sorbonne à Paris en 1200, celle de Cambridge en 1209, l'université de Salamanca en 1219, l'université de Padoue en 1222 et celle de Montpellier en 1289. Nous voyons par exemple, donc, de manière très claire, c'est là
plus ancienne, l'université de Qarawin, est la plus ancienne université du monde tout entier. Et donc, on peut considérer que c'est elle qui fonde même la notion d'université. Alors, qu'est-ce qui est important dans cela? C'est qu'elle va le financer, comme je vais dire, avec ses ressources financières propres. La construction va durer 2 ans. Elle va jeûner d'ailleurs durant cette période, puisque la construction commence le premier ramadan de l'an 245. Et les choses qui sont importantes à dire dans cette université, c'est que elle est, comme aujourd'hui, elle délivre des diplômes. Il y a une sélection sévère à l'entrée. Les diplômes qu'on délivre, et on garde le nom jusqu'à aujourd'hui, c'est l'ijaza, c'est-à-dire la licence. Ce qui veut dire en arabe, l'ijaza, ça veut dire qu'on donne l'autorisation à quelqu'un d'enseigner un domaine particulier. Remarquons d'ailleurs que l'Europe, dans le cadre de son projet Erasmus, d'échange des étudiants entre les différents pays, a créé un projet Erasmus Mundus, c'est-à-dire du monde, et que l'Europe a appelé projet Fatema El-Fihriya. Il faut d'ailleurs voir que parmi ces domaines, il y a les sciences religieuses, c'est vrai, mais il y a tout un ensemble de sciences qu'on retrouve aujourd'hui dans les facultés de lettres et de sciences humaines, dans les facultés de sciences, dans les facultés de droit, dans les facultés de médecine et de pharmacie, c'est-à-dire la littérature, l'histoire, la géographie, les mathématiques, l'astronomie, les sciences naturelles, la médecine, la pharmacie, comme je l'ai dit, le droit. Et donc, par conséquent, c'est une université pluridisciplinaire et qui va accueillir beaucoup de personnes illustres qui viendront chercher à Fès le savoir. Puis ensuite, ils pourront aller l'enseigner ailleurs, puisqu'ils ont reçu la licence, c'est-à-dire l'ijaza. Voilà ce que l'on peut dire à la fois sur l'université Al-Qarawin et sur les autres universités. Vous voyez que nous avons, sur les dates que j'ai citées, près de 4 siècles entre la création de l'université Al-Qarawin et les autres universités. Quant à Fatema El-Fihriya, son personnage est très important pour nous. Enfin, pour nous. Pour tous ceux qui suivent et qui disent pourquoi. Premièrement, c'est une femme. Et c'est une femme qui montre la place et le rôle de la femme dans le monde arabo-musulman. Ainsi d'ailleurs que sa sœur Maryam, qui va fonder la mosquée Al-Andalus à Fès. Deuxièmement, elle crée le concept d'université. Et troisièmement, elle le fait, comme je l'ai dit, par le biais d'une fondation, c'est-à-dire qu'elle donne les ressources financières pour cela. Donc nous retrouvons ici des éléments que l'on a aujourd'hui dans l'université jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, toutes les universités que j'ai citées tout à l'heure existent jusqu'à maintenant. Alors, cette notion de fondation, pour reprendre un autre exemple, mais qui sera beaucoup plus tard, si nous prenons l'université Harvard, aux États-Unis, c'est une université qui provient d'un don d'un monsieur qui s'appelait John Harvard, et c'est pourquoi elle porte son nom. Donc cette notion de fondation, d'apport de ressources pour fonder un cadre culturel, scientifique, éducatif, est une notion importante qui perdure jusqu'à nos jours. Bien sûr, les universités peuvent aussi être créées par l'État. Très bien. Donc, voilà une femme
qui, au IXe siècle, crée une université et avec des règles strictes, comme je l'ai dit, mais aussi des moyens. Il n'y a pas de droit de scolarité, c'est-à-dire que la scolarité est gratuite. Bien plus que ça, on donne des bourses aux étudiants pour qu'ils puissent vivre dans la ville. Parce que ces étudiants viennent de partout dans le monde. Et on leur donne donc des moyens et ils sont même logés. Ça, c'est on fait des logements spéciaux, etc. Donc, voilà quelque chose qui ressemble beaucoup à nos universités d'aujourd'hui. Le seul élément important, c'est que ça ne se passe pas aujourd'hui. Enfin, la fondation ne se passe pas aujourd'hui. L'université de Qalawi est toujours là. Mais elle se passe, en 859. Donc, vous voyez que cette femme est un exemple clair, ainsi que sa sœur Maryam, du rôle qu'ont joué les femmes dans le monde arabo-musulman. Et je pense que c'est très important pour tous ceux qui s'intéressent à ces questions. Voilà, je crois ce que je voulais dire. Bon, Fatema al-Fihri ensuite va continuer sa vie à Fès, où elle décédera en 880. Comment se passait l'enseignement? Eh bien, on avait un professeur réputé dans une des matières que nous avons citées, et il s'asseyait sur une chaire, c'est-à-dire sur un siège surélevé, et les étudiants étaient regroupés autour de lui. Le fait que l'on ait une chaire permettait à ce que tout le monde entende. Et lorsque ce professeur considérait que un étudiant déterminé avait atteint le niveau requis dans sa discipline, par exemple le droit, ou la médecine, il lui donnait donc ce qu'on a appelé la licence ijaza, c'est-à-dire le droit d'aller enseigner, c'est-à-dire qu'il lui a transmis son savoir. Et donc, l'université jusqu'à aujourd'hui garde ses concepts de licence, de professeur de chaire, etc. Mais elle aura apporté une immense contribution à la ville de Fès, au Maroc, au monde arabo-musulman et à l'humanité tout entière.